Monsieur Christian Bémy. Bonjour à tous. J'ai mis ma meilleure tenue pour vous accueillir. Je suis désolé. Je voudrais vous remercier d'être venus si nombreux et remercier la municipalité de Clermont-de-l'Oise, en particulier Cécile et Emmanuel qui ont porté le projet et dont la sympathie et l'enthousiasme en tout cas m'ont aussitôt convaincu. Je ne connaissais pas Clermont-de-l'Oise, je ne connaissais pas, j'avais pourtant des éléments qui auraient pu me faire comprendre l'existence de Clermont-de-l'Oise, puisque au Moyen-Âge, Clermont était quand même vraiment des personnages très très importants en fait en Ile-de-France. Certains des personnages qui ont vécu ici aussi m'étaient assez familiers, s'agisse de Bernanos en particulier, dont j'apprécie énormément la littérature. Mais pourtant, je ne connaissais pas cette petite ville et en tout cas, j'y ai été accueilli extraordinairement. Lorsque je suis venu, j'ai découvert en tout cas une ville que moi je trouve très, très jolie en fait. Et où j'ai l'impression qu'il fait bon vivre. Voilà, donc on n'a pas 22 œuvres dans la ville. Ça se disperse en tout cas dans la ville, en tout cas dans des lieux qui ont été savamment choisis par la municipalité, en particulier par Emmanuel, dont l'érudition n'a pas de limite. Je suis très heureux qu'il soit pas écroulé lui-même à la fin de son discours. C'est ce que je disais. Il a passé 47 ans déjà. Normalement, on a échappé à quelque chose. J'espère en tout cas que vous passerez un bon moment dans cette exposition qui présente des figures de pacifistes. Parce que c'est un thème en tout cas qui me tient à cœur, puisque en tout cas mes œuvres, d'une manière générale, j'espère qu'elles apportent la concorde là où elles sont. On vit à une époque où on fait beaucoup commerce, en tout cas, du clivage et de la confrontation. Ça m'embarrasse énormément. Et j'essaie toujours, en tout cas dans mon travail d'artiste, de vrai pour la concorde. Donc les pacifistes sont des gens qui m'émeuvent énormément. Et il y a peu d'espace aujourd'hui pour les gens qui sont porteurs de paix dans l'imaginaire. Et beaucoup plus d'espace pour des personnages belliqueux et beaucoup plus d'espace en tout cas pour les gens qui offensent ou qui suscitent de l'indignation. J'espère que les décennies qui viendront nous permettront de respirer un petit peu et d'échapper à la permanence des clashs, des plateaux de télé et d'informations continues et tout ce qui fait qu'on a tendance un petit peu à suffoquer. Donc voilà, j'espère que cette expo vous fera un peu respirer. J'ai apprécié qu'on mette la colonne de la paix un peu en hauteur. Le bâtiment est magnifique. J'ai vu beaucoup de choses qui m'ont plu dans la ville, de belles façades, de Saint-Sanson, tout ça, c'est vraiment, vous avez beaucoup de chance. Voilà. Et je vous remercie de vous être déplacés nombreux. Merci.